Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plein mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on se rendez-vous branché sur www.adventchristianradio.com. Ou bien capable de joindre nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Moi, par contre, qui expression que nous avons utilisée pour me saluer, nous, pour m'exprimer contentement, moi, envers nous-mêmes, du fait que bon Dieu m'a une opportunité pour que nous capables, ensemble, pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Semaine ça, nous, ensemble, pour que nous capables continuer avec série d'études bibliques, nous. Nous, on dit, ou études, nous, est arrivé là, car nous, fait que nous content. Préparez-vous, cherchez bibou. Si vous dans machine, si vous peut-être dans travail ou prenez un break quelconque, ou bien vous même qui à la maison, faites que vous content. Étude l'arrivée. N'a pas pause là, n'a pas retourner tout à l'heure. En nous bali gloire, bali l'honneur que l'Isel mérite, les créé ciel là. La ligne étoile, c'est nan men li pote. Bali l'honneur que li sel mérite. Bali l'honneur, bali gloire. Merci d'être été branché. Et maintenant, nous retournons pour que nous soyons capables de commencer avec le sujet. Comme nous connaissons déjà, semaine ça, nous apprenons avec le message du deuxième ange. Là, dans le livre, que nous commençons la chute de Babylone. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec l'identification de la Babylone, cette femme que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 17 et qui décrit comme la grande prostituée. Et ensemble, nous allons voir qui est cette femme ça, les représenter de manière plus claire et de manière directe. Et juste avant d'aller plus loin, on nous coupe d'être nous pour que nous capables de rechercher la puissance de Dieu. Notre Père bien-aimé, merci pour grâce. Merci pour l'opportunité qu'on a nous pour que nous capables d'étudier parole.
chaque ami qui tende nous, nous demandons pour nous capables d'ouvrir l'esprit. Et comme ça, nous sommes capables de comprendre et mettre en pratique parole. Et moi-même qui pourrais commencer avec le sujet, nous demandons pour nous capables d'imprégner nous par la puissance de ton Esprit Saint. Et comme ça, nous sommes capables de parler au nom de nous-mêmes. Et nous tous, nous allons comprendre et mettre en pratique parole ça. Fais-nous grâce, dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis qui écoutent nous, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, ensemble, nous allons chercher à découvrir qui est femme ça, lui représenter, pour que nous capables mieux situer nous en nous lisant Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 6. Il a dit: puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vertue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Chers frères et sœurs, cette femme que l'apôtre Jean lirait, la femme qui est assise sur une bête écarlate qui gagnait en pile nom de blasphème, bête la gagnait 7 têtes et 10 cornes. Et bête ça, l'été vertu de pourpre, l'été vertu d'écarlate, l'été gagnait l'or sous lui-même, l'été gagnait des pierres précieuses et de perles, et l'été gagnait en mêlée une coupe d'or qui remplit avec abomination, impureté et prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Qui non s'atteye, c'était Babylone, la grande, la mère des impudiques. Chers frères et sœurs, cette femme prostituée appelée Babylone, qui est-elle? De manière globale, on était décrit pour nous semaine dernière. Et jodia, nous parlerons plus direct et plus clair. Qui est-ce femme ça les représenter? Pabli M.T. dit non. Apocalypse, c'est le livre de Jésus-Christ, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus, révélez-nous exactement qui est femme ça liée. Qui t'aime dit nous, pour que nous soyons capables de comprendre, chers amis, chers auditeurs qui nous écoutent, qui est femme ça y est, qui est prostituée ça y est, nous devons comprendre d'abord, bête ça que les chita sous lui maintenant, qui est bête ça y est. Pablier nous sautouel, il dit: je vis une femme assise sur une bête écarlate. Nous parlons bête ça qui est ce que l'est. Nous devons identifier d'abord bête là qui est ce que l'est. Il a dit: cette bête, elle gagne combien de têtes? 7 têtes et elle gagne 10 cornes. En nous, qui est ce bête ça? Dans Apocalypse chapitre 12 verset 3. Apocalypse 12 verset 3. Apocalypse 12 verset 3. Nous lisons ce qui suit. Il a dit: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Qui caractéristique bête que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 17 là? Qui caractéristique les bête là que femme dans chita sous lien? Il est dit: femme dans chita sous une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Bête là, couleur li, c'est couleur écarlate. Écarlate, c'est la couleur rouge. Ok? Li gagne 7 têtes et li gagne combien de cornes? 10 cornes. En notre verset, dans Apocalypse chapitre 12. Cette fois-ci, dans Apocalypse 12, verset 3, serviteur qui s'allie, un grand signe qui s'allie paraître un dragon. Dragon, qui coule dragon? Dragon rouge. Combien de têtes dragon a gagné? Il a gagné 7 têtes et 10 cornes. Et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Chers frères et sœurs, remarquez bien dans Apocalypse 17, bête là, il a gagné 7 têtes, 10 cornes, couleur rouge. Et dans Apocalypse 12, serviteur qui s'allie, un dragon. Dragon qui coule dragon rouge. Combien de têtes? 7 têtes, 10 cornes. En d'autres termes, cette bête est représentée sous forme de dragon. Même caractéristique. Dans la prophétie, lorsque l'Esprit de Dieu l'y ramène nous à deux symboles, chers frères et sœurs, chers amis,
il s'agit de la même identité. C'est ici la même chose. Lorsque le Saint-Esprit les ramène nous à deux symboles, il va nous deux bagailles, même caractéristiques que vous avez, et bien c'est la même chose, c'est la même description, c'est même bagaille là que lui a parlé nous de lui là. Qui ça me l'a dit nous par là? C'est que la bête que nous voyons dans Apocalypse 17 là n'est autre que le dragon. Le dragon qui couleur les rouge, il gagne combien de têtes? 7 têtes, il gagne combien cornes? 10 cornes. Ça c'est la première application. La bête c'est le Satan. Alors c'est le diable, Satan, le dragon. Pas gagne mentir dans ça. Qui t'aime dit non? De même que Dieu lui travaille au travers des hommes, au travers des personnes, Satan aussi travaille au travers des personnes. Pas oublié? N'a cherché à identifier d'abord qu'on est qui est Bethlan. Nous étant rapidement, Bethlan c'est le dragon. Dragon qui s'allie c'est Satan, le diable. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, la parole nous nous puis devant toujours pour nous voir qui est. Eh bien, dragon ça, lié. Par le biais de qui est-ce que la travaille, qui est-ce que l'utilise pour le travail. En allez, Apocalypse chapitre 12, verset 4, il est dit, sa queue entraînait, en parlant de la bête, en parlant du dragon, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jetait sur la terre. Le dragon se tait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bah, mais de nous comprendre ça clair qui dit là. Qui travaille dragon? Hein? Qui sa dragon en fait comme travail? Dragon, il campé devant une femme. Femme ça, il t'a pas enfanté. Et dragon a campé pour le faire qui ça? C'est pour le temps qu'on femme dans fin enfanté petite là, pour dévorer petite là. Et dans verset 5 là, il dit, dame non, il enfanté un petit garçon ça, qui après diriger toute nation avec un verge de fer, toutes les nations, et après, petit garçon ça, qui ça le fait, lui enlever vers Dieu et vers son trône. Qui femme ça, qui après enfanté un petit garçon, qui après diriger toutes les nations, et après quoi, petit garçon ça, lui enlever vers son trône, chers frères et sœurs, petit garçon ça n'est autre que Jésus, l'enfant Jésus, Dragon a été campé pour être capable de dévorer l'enfant Jésus. Comment est-ce que Satan l'a fait pour être capable d'éliminer petit garçon ça qui t'a pas fait là? Qui te dit non, c'est pas Satan en personne qui t'a pas venir, mais Satan t'a pas utilisé son pouvoir. Et ça fait me dit non, même Jean bon Dieu l'a utilisé monde pour travailler pour lui, Satan l'a utilisé des personnes aussi. Et Satan pas t'a pas utilisé l'autre monde que Hérode. Donc on a une histoire très bien. Histoire l'enfant Jésus que Hérode l'a cherché pour le tuer. Ben moi ça avec nous rapidement. À partir du verset 3, Matthieu 2, verset 3, disons mieux. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Lorsque Hérode lui apprend que Jésus est né, lui fait à Bethléem, Hérode troublé. Et au verset 7, il dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Qui ça Hérode dit magio, il dit, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le savoir, ou du moins faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode dit magio, bien, ben nous, autorité pour que nous capables d'aller à Bethléem. Allez, elle prend information sur petit ça qui peut le faire là. Lorsque nous jouons l'information, vindim qui côté li fait, moi-même tout pour nous capables d'aller, adorer le tout. Mais nous connaissons l'histoire là, Hérode, est-ce que c'est adorer, il t'a pas l'adorer? Non. En nous, qui ça t'a pas le fait? Au verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen, chers frères et sœurs. C'est la même parole qui déclare là dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. Il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, dragon, Bethlan, li campé devant femme nan pour que le capable dévorer petit garçon ça qui pral fête. Effectivement, l'ange de l'Éternel li paraît à Marie à Joseph dans Matthieu chapitre 2, li dit yo,
camper, Batzel, non, prends la fuite, allez en Égypte avec tes petites là. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dragon, comme tu dis, ce n'est pas dragon, Satan en personne qui t'a pas le paraître pour éliminer l'enfant Jésus. Mais les utiliser qui est Hérode. Qui était Hérode? Hérode, c'est le dirigeant par excellence de l'Empire romain, de Rome. C'est Rome que Hérode te représentait. Donc, Satan, cette bête, lui représentait également la Rome païenne au travers de Hérode qui a voulu tuer l'enfant Jésus. Donc, chers frères et sœurs, si nous gagnons dans Apocalypse chapitre 17, on nous fait approche là, c'est étudier, n'a pas étudié. Mandez attention nous en pile pour que nous sommes capables de comprendre ce qu'on a dit là. Pas oublier, n'a pas cherché à identifier bête là. Qui est ce bête là représenté? Si dans Apocalypse chapitre 17, nous jouons la même bête et qu'il s'agit de Rome et le dragon n'est autre que Rome, eh bien alors disons mieux, dans Apocalypse chapitre 12, nous réalisons dragon qui t'appelle qui cherche pour éliminer l'enfant Jésus, il n'est autre que Rome qui est représenté par Hérode et le dragon. Alors si dragon c'est Rome, eh bien la bête écarlate que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 17 est aussi identifié à Rome. Pas de mentir dans ça. La bête, puisque nous c'était même bête là, même bête qui a parlé dans Apocalypse 17 là, c'est même bête ça, c'est de même bête ça, eh bien que la Bible a parlé dans Apocalypse 12 là. Or c'est bête ça que nous les dragons. Or c'est bête ça qui t'a cherché moyen pour tuer Jésus au travers de Hérode. Eh bien chers frères et sœurs, dragon ça t'a cherché tuer Jésus hein, il n'est autre que Rome. Pas de mentir dans ça. Maintenant chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutent, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, verset 9, la prophétie dit confirme nous qu'il s'agit d'une ville de Rome, du royaume de Rome. Nous prenons pause là, nous retournons pour que nous soyons capables de lire Apocalypse chapitre 17, verset 9, pour que nous soyons capables de voir l'autre aspect, l'autre application du texte là qui est capable d'aider nous identifier exactement la bête qui n'est autre que nous guettons, ouais, qui c'est la Rome païenne. En nous proposant, on a retourné tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plein mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on se rendez-vous branché sur www.adventchristianradio.com. Ou bien capable de nous sur podcast pvalon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être ce que vous étiez branché. Et maintenant, nous retournons pour que nous capables rapidement et continuer avec ce sujet, nous, qui c'est l'identification de la Babylone, l'identification de la bête. Chers frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 17, verset 9, on nous voit qui ça, la Bible dit nous. Apocalypse 17, verset 9, il est dit: c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Bien-aimé dans le Seigneur, les sept têtes représentent sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. La Bible parle non là de sept montagnes. Pas oublier, dans Apocalypse 17, nous te ouais, il dit femme nan, li chita sou yon bête écarlate qui gagne en pile nom de blasphème et li gagne sept têtes et 10 cornes. Et plus loin dans Apocalypse 9, il dit moun ki gagne intelligence, cherche comprendre, cherche gagne sagesse. Il dit les sept têtes que bête ça ou parle de li ki gagne, qui ça représenter, il représente sept montagnes. Et cette montagne ça yo, c'est sous yo même que femme nan chita. Chers frères et sœurs, l'histoire confirmée pour nous-mêmes. La Rome est une ville à sept montagnes. C'est ça historien yo confirmé. Dans l'Antiquité, 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, le nom que yo te bay à la ville de Rome était la ville aux sept collines. On va te faire recherche yo,
fait des recherches al sur internet, n'a joine information sa yo. Colline sa yo, comment yo te rele? C'est Quilina, Limina, Esquilin, Capitole, Palatin, Sélus et Aventin. Les sept collines de Rome. C'est sous yo même que ville sa Lichita. La ville de Rome a été fondée sur sept montagnes. L'histoire confirme ça pour nous. Et la Bible dit le clair. C'est ici de l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, nous déjà connaissons que la bête n'est autre que la Rome. C'est ça que nous sommes. C'est pas moi-même qui a dit, nous sommes le clair. La Bible décrit nous le clair. Bête là, c'est la Rome. Et maintenant, qui est la prostituée? Prostituée à qui est-ce que l'est? Eh bien, c'est ça qui parle de nous joindre. Puisque l'est dit, femme là, l'ichita sous sept montagnes. Ok? Sous sept montagnes. Dans Jérémie chapitre 3, verset 20, nous te font approche pour nous dans Osée. C'est même approche ça, m'a fait pour nous dans sujet ça. Pas oublier, nous disons la Bible remplie avec symbole. Femme, les symboliser l'église. Lorsque la Bible parle de l'église de Dieu, les utiliser la femme pure, les utiliser la vierge pure. En nous, comment bon Dieu les traiter une église qui n'est pas pure? Lorsque le peuple est tombé dans l'infidélité. Dans Jérémie 3, verset 20, je lis pour vous, si vous avez une Bible avec vous-même, vous pouvez chercher le texte là avec moi, comme ça nous allons lire ensemble. Jérémie 3, verset 20, il dit: mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Même j'ai une femme li infidèle à Maril, à fiancée, il dit: c'est comme ça, peuple Israël, maison d'Israël, peuple moyen, vous m'avez été infidèle, dit l'Éternel. Donc nous remarquez bien là, Dieu li voit Israël comme une femme. Et lorsque femme ça li infidèle à son mari, qui c'est Dieu, eh bien, bon Dieu rele li femme infidèle. Lorsque femme nan li rete fidèle à son mari, elle est une femme fidèle, c'est ça que nous rele la vierge pure, c'est ça apôtre Paul li déclaré pour nous dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Lorsque il dit li fiancé l'église là, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à Jésus, OK, comme une vierge pure. Donc que le Israël littéral ou Israël spirituel qui est représenté par les chrétiens d'aujourd'hui, qui s'est passé lorsque le peuple bon Dieu li détourné de Dieu, li aller vers d'autres dieux, li aller vers des idoles, li écarté de la parole de vérité que bon Dieu bail, eh bien l'église ça li tombé dans prostitution. L'église ça li prostituée. C'est pour cela que Dieu lui fait déclaration ça pour le dire, eh bien femme nan li infidèle à lui-même. Donc c'est une prostituée qui va vers d'autres maris ou d'autres dieux. Cette femme lui représentait l'église prostituée, yon l'église infidèle à Dieu, ou bien ça que relait l'église apostat. L'église apostat. Donc, chers frères et sœurs, il est clair. Question que nous devons poser aujourd'hui, hein, c'est qui est la bête? Vous êtes capable de répondre à une question pour moi. Qui est la bête? Nous sommes tout à l'heure là. La bête n'est autre que Rome. Il nous suffit de chercher une église qui s'est détournée de la parole de Dieu, qui s'est détournée des vraies doctrines que la Bible bail. Et l'église ça, l'ichita sous combien? Sous sept collines. L'histoire nous dit, gagne une seule église qui chita à Rome. Il n'est autre que l'église romaine. Son siège se trouve à Rome, au Vatican. Et voici, chers frères et sœurs, comment Dieu, chers amis, comment Dieu va nous confirmer que cette église est réellement l'église romaine. Apocalypse chapitre 17, et nous allons regarder comment la Bible décrit l'église ça, femme ça, dans Apocalypse chapitre 17, verset 4. Apocalypse 17, verset 4, on lit ce texte avec précision. Il a dit: cette femme était vertue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Rappelez-la. Pour mon cher frère et soeur, suivez ça bien. Regardez bien qui description qui fait là. Femme ça, qui rad l'hypoté. L'hypoté rad couleur rouge. Et l'hypoté, alors, l'hypoté, l'hypoté de pourpre. Pourpre, c'est la couleur violet. Et écarlate, c'est la couleur rouge. Et qui ça le fait? L'hypoté d'or, de pierres précieuses et de perles.
symbole de richesse. Ça montre nous, femme ça c'est une femme qui, alors nous pas besoin de dire femme, on a parlé de l'église. Ça c'est une l'église. Alors l'église, lorsque il dit femme prostituée, ça veut dire c'est l'église qui tombe dans la prostitution, l'église infidèle. Ok? C'est clair qu'on y a pour nous. Cette femme prostituée qui a parlé de là, c'est une l'église infidèle. Donc cette église infidèle, elle est riche en pile. C'est ça que fait la Bible décrit pour le dire nous, il parlait de perles, d'or, pierres précieuses. Il parlait d'or, de pierres précieuses et de perles. L'église est riche en pile. C'est l'église la plus riche au monde. Pas de maintenant ça. L'église de Rome. L'église. Comme l'église a les vertus de pourpre et d'écarlate. Nous autres disons là, le pourpre c'est la couleur violet. L'écarlate c'est la couleur rouge. Nous autres dragon. Qui couleur dragon? Dragon c'est la couleur rouge. Couleur écarlate. Dans Apocalypse 17, il dit écarlate. Mais dans Apocalypse 12, il dit, les manières plus claires, il dit dragon rouge. Satan ou bien Rome. Il me trouve avec nous déjà, m'oblige de répéter plusieurs fois pour nous. Dragon qui t'a cherché tuer l'enfant Jésus. Qui est-ce qui t'a cherché tuer l'enfant Jésus? C'est Rome, au travers d'Hérode. On nous voit comment les vertus. Gardez pour nous comment les responsables de cette église, l'église de Rome, l'église romaine, comment ils ont vertu. Ils n'ont pas compris les bagailles. La couleur violet qui décrit là, qui dit femme ça, les vertus de couleur pourpre, ce sont les évêques qui portaient couleur ça. Parce que c'est moi qui a annoncé nous ça, nous capable voir ça. Et la couleur rouge est portée par les cardinaux. Remarquez bien dans les grands rassemblements, dans les grands rassemblements, les grandes messes qui sont faites, n'a toujours un cardinaux qui toujours devant en rouge et derrière, il est entouré par des évêques en violet. Chers amis, est-ce que nous pensons que c'est un hasard que vous habillez comme ça? Nous pensons que la providence de Dieu il voulait que ça fait comme ça, de telle sorte que pour parole il est capable accompli, pour nous capable ouais, la parole de Dieu c'est oui et amen. On garde pour nous pour situer ça, qui ça il gagne en mail cette église infidèle, qui ça il gagne en mail. Apocalypse 17 verset 4, cette femme était, alors au verset 2 de préférence, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont dénivrés. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme les fait boire les rois et les habitants de la terre. Ils ont vin, les fait au sou, en bas vin, du vin. Ce vin est représenté par toutes les fausses doctrines qui pas trouvé dans la parole de Dieu. Toute tradition que les traînait derrière lui, les abreuvé les rois de la terre et tous les habitants de la terre. Avec un pile fausse doctrine. Et qui te dit non, le monde entier, il a abreuvé de toute fausse doctrine, ça et tradition, ça yo. Yon femme, yon l'église infidèle, qui détourne de la parole de Dieu, et qui aujourd'hui envahit le monde blanc avec un pile tradition. Et qui te moué avec nous, quelques fausses doctrines et quelques traditions que l'église a, li abreuvé les habitants de la terre. Premier fausse doctrine, non, c'est l'immortalité de l'âme. C'est une tradition de l'église catholique qui dit l'âme est immortelle. Et je dis, hein, je te regarde à travers le monde entier, nous et tout le monde, le monde entier croit. Lorsqu'une personne meurt, son âme est encore vivante. Nous pas ouais, c'est quelque chose qui trouve dans le monde. Nous pas ouais, presque tout le monde, sont une poignée de monde peut-être qui pas croit dans ça, dans l'immortalité de l'âme. Ça c'est un envain qu'il y a abreuvé le monde avec les mêmes. Deuxième, en 321, changement du sabbat au dimanche par Constantin. Et aujourd'hui, est-ce que nous parlons le monde l'a gardé le dimanche? Est-ce que nous parlons le monde boire du vin ça? Le monde nous parlons le monde boire les sous en bas du vin ça? Le monde entier. Et c'est eux-mêmes qui fait déclaration ça, des déclarations qui faites par des cardinaux. Par exemple, il y a un brillant cardinal qui fait une déclaration extraordinaire pour le dire. Le cardinal Gibbons, qui c'est un flambeau pour le catholicisme américain, il dit de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Mais il dit, c'est eux-mêmes qui prend droit ça, puis sont capables de changer le sabbat du 7e jour en dimanche. Bon, les déclarations ça pour nous. Je me suis déjà pour nous, lorsque je t'ai traité avec nous, l'origine du dimanche. Bon, les déclarations ça pour nous que l'Église catholique lui fait. Il dit, ça c'est une déclaration oui, qui est très claire dans un catéchisme, qui c'est une série de questions et de réponses que l'Église catholique employait pour les futurs membres
Il s'agit du catéchisme des doctrines catholiques pour les convertis. C'est un manuel que l'Église catholique a employé longtemps. Mais première question posée, on dit quel est le sabbat? Quel est le sabbat? Réponse là que nous trouvons dans le catéchisme, il dit le samedi, le jour du sabbat. Il reconnaît que samedi c'est le jour du sabbat. Il pose une question dans le catéchisme qui dit pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse là dit eh bien nous observons le dimanche en lieu et place du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat au dimanche. Nous trouvons déclaration ça dans édition 1957 page 50 et à la page 174 du catéchisme doctrinal Stephen Kinem lui poser question ça pour le dire avez-vous d'autres moyens pour trouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes ou des règles? Mais qui répond sur bas, il dit si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle ne pourrait pas faire quelque chose qui a gagné l'adhésion du monde religieux moderne. Elle ne pourrait pas substituer l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à l'observation du samedi, le septième jour de la semaine, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Troisième édition américaine. Donc, il fait déclaration claire. Il prend responsabilité. Ça, c'est du vin que il a abreuvé le monde avec lui. 325, alors 336 de préférence, la fête de la Noël. Nous parlons le monde entier, les fêtes de Christmas. Nous parlons ça. Pourquoi la Noël le 25 décembre? Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons un sujet avec nous, mais qui donne nous coûte information ça. La Noël le 25 décembre, pour qui ça? C'est date ça. Eh bien, c'est parce que c'était le jour du dieu babylonien, Tammuz. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Et si nous étudions les Écritures en profondeur, nous pourrons que Jésus, il était impossible pour que Jésus était capable de fêter le 25 décembre. Parce que c'était en hiver, il était pile frédu. Et dans le moment ça, pas capable de troupeau dehors. Les bergers pas capable de trouver à l'extérieur en train de veiller sur les troupeaux. Ça pas capable de faire. Ça sont pareil qui logique. Dans l'hiver pour berger tes deux pour veiller sur troupeau. Le 25 décembre, c'est le jour du dieu babylonien Tammuz. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Le monde a bu de ce vin. Je dis en jeune en pile monde soi-disant qui pote Bible dans main qui a suivre tradition ça qui sous en bas vin ça. En 381, l'adoration de Marie. Ça, ce sont des fausses doctrines qu'elle a abreuvé les habitants de la terre. C'est pas sans raison que texte là dit nous comme ça avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. L'église de Rome, l'église catholique romaine, le baptême des enfants. En 787, la Bible ne reconnaît pas ça. En 813, ils ont institué le culte des idoles et des saints. Je dis à Campil saint, Saint-Pierre, Saint-Jacques. En 1123, le célibat des prêtres. En 1215, la confession annuelle aux prêtres. C'est dans le moment ça a été institué question ça pour monde venir confesser péché au prêtre. Alors que c'est à Jésus et à Jésus seul, Jésus notre intercesseur, qu'on doit passer par Jésus pour qu'on capable venir demander pardon au péché pour lui-même lui présenter péché à papa. Confession annuelle au prêtre en 1215, en 1229, lecture de la Bible interdit aux laïcs. Tout ça yo, sont série de vins que le monde a breuvé avec eux-mêmes. Il n'y a que des prêtres qui peuvent lire la Bible. En 1229, le purgatoire devient un dogme. Ça veut dire, lorsque yon moun mouri, namni, s'il te fait de bonnes actions, namni aller directement au ciel. S'il te fait de mauvaises actions, namni aller en enfer. Si moun sa, li repenti, mais il pas fin repenti de tout péché liyo, eh bien, namni aller au purgatoire pour la purger peine. En 1545, la tradition devient également. Alors, la tradition devient égale à la Bible. C'est-à-dire, en pile tradition que l'Église a livré avec eux, eh bien, on dit, c'est même barré avec la Bible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons plus toujours. Mais, ça est suffisant. Voici toutes ces fausses doctrines que cette prostituée lui mettait en place. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 8, nous lisons ce qui suit. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont son le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront
en la voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'était plus, et qu'elle reparaîtra. Ça va le faire objet d'un sujet que je vais traiter avec nous. Bête là, t'es là, au moment que t'es, qui t'est arrivé, il n'a pas existé, et bête là, il est pour le reparaître. C'est-à-dire, pouvoir, il est pour reparaître encore, pour le dominer. Et c'est tant ça que nous presque à paraître là-dedans, là. Côté pouvoir, bête ça, pour le remonter encore. Et c'est ça, texte là, dit nous là. Pourquoi développer le pour nous? Il dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Point. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Tout le monde saisit parce que bête là, elle était là. Quand elle est arrivée, il n'y a pas de jambes, bête là, pas de jambes, il n'y a pas de jambes, bête là. Et bête là, elle est pour reparaître. Et puis, on dit nous qui est ce bête là. Nous sommes tous clairs. Ce n'est pas moi qui dis, c'est une bête, le dragon, qui est représenté par la Rome. La Rome païenne dans le temps. Et je dis, hein, nous n'avons plus la Rome païenne, nous avons la Rome papale. J'ai fait ce parole-là clair aujourd'hui. Clair. L'identification de la Babylone. Non, femme ça. Femme ça, l'église infidèle qui fait le monde entier. Boué, vin li. Et ma terminé sujet pour me dire. Je dis en toute tradition l'église ça les traîner d'elle ou même qui embrasser tradition ça yo c'est l'église ça va suivre toute l'autre dénomination qui soi-disant dit c'est bon Dieu à servir et qui à suivre tradition ça yo donc vous avez pour mère cette femme qui c'est la Babylone pas gain mentir dans ça et dans toute ça que me saute cité là dans toute ça que me saute cité là le changement du sabbat au dimanche par Constantin. Et je dis en l'église, ça, c'est lui-même qui a travaillé, c'est lui-même qui kembe bannière changement ça, et il revendique changement ça. Donc, ou même que c'est juste à comprendre pour adorer, ou pas suivre l'autre, ou pas suivre bête là, ou pas suivre Babylone la grande. Et c'est ça que fait MT, ouais, avec nous, la fois dernière, l'important pour que nous prenions position pour le Seigneur, pour que nous soyons capables de soutenir Babylone. Jésus fait déclaration pour lui dire, sortez de la Babylone, mon peuple. Parce que Babylone vient pour le frapper de telle sorte que pour ne pas participer. Dans le frappement et fléau Babylone. Donc je dis, hein, parole là, elle vient, elle est claire pour vous. Comme moi, je dis déjà, elle peut paraître un petit genre dur pour vous. Mais quand vous avez, la Bible vous le dit que vous devez prendre position. Vous n'êtes pas capable de suivre Babylone. Si vous n'êtes pas comme ça, je dis comme ça. Peut-être vous n'êtes pas capable de connaître si vous suivez Babylone. Vous n'êtes pas capable de connaître si vous êtes dans Babylone. Mais je dis, bon Dieu, vous dit que vous avez pour mère Babylone. Parce que vous avez suivre toute tradition. Ou à suivre toute fausse doctrine ni yo, puisque c'est une femme infidèle, une église infidèle. On demande bon Dieu force à courage pour qu'on capable prendre détermination pour sortir et comme ça, pour qu'on capable venir dans troupeau dans bergerie l'Éternel là, pour font seul ensemble pour nous observer les commandements de l'Éternel, pour nous suivre la vérité, pour nous rejeter toute tradition, pour nous rejeter tout mensonge et pour nous servir l'Éternel. Moi souhaite bon Dieu bénir puisque il permet à ce que nous identifier premièrement qui est la bête, nous identifier cette femme qui est ce que lié, eh bien, moi, quoi que vous parlez en position pour l'Éternel. Que bon Dieu capable d'aider à mettre parole ça en pratique et qu'on soit capable de conduire à la vie éternelle. En nous coupant tête, nous, pour que nous soyons capables de bénir le nom de l'Éternel pour ces vérités que le permettent nous. Notre Père bien-aimé, merci. Merci pour ça, mais vous permettez là et vous prenez détermination pour être capable de tendre des paroles ou d'en prier, bah, au force de courage pour être capable de mettre parole ça en pratique et qu'on soit parole ça capable de conduire. Est capable de guider et puis embrasser la vérité dans toute son intégralité et comme ça n'a vivre dans fait temps pour que l'on a frappé pour ne pas participer et bien dans la destruction de Babylone. T'en prie Seigneur, bénis-nous, merci pour parole ça yo. T'en décris que nous, accepte-nous, protège-nous. Dans nos Jésus nous prions, lui qui vit de sa présence pour toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, merci d'être que t'attendez nous. Nous casser rendez-vous pour un autre sujet. N'a pas avancé avec le message des trois anges pour que nous capables faire parole à avancer et pour connaître la vérité et comme ça pour capable prendre position pour Seigneur. Allez en paix, que l'Éternel capable bénir. Amen.
que tout ce que je pensais de moi te soit un nom, un sacrifice. Toi qui connais toutes mes pensées, permets au Dieu que je sois l'expression de ta sainte volonté. Je ne désire que te louer. Je ne désire que t'adorer. Car à mes yeux, il n'y a d'autre bonheur qu'être à toi, seulement vivre pour toi. Je veux rester afin de jouir de ta présence. C'est serment, c'est mon seul désir, me donner totalement à toi pour faire ta volonté.